Hop, parfait. Bon bah il est temps de commencer le live. Ça fait quand même 10 minutes que je suis en pause, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que j'ai branlé? Putain, j'ai mis tant de temps à aller chercher de l'eau. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire? C'est une bonne question ça. Hop. Alors attendez, je m'occupe rapidement. Un peu trop décalé. Voilà, c'est mieux. Je m'occupe rapidement de mon téléphone. Hop. Et voilà, bon. Alors, on est parti. Donc, nous avions capturé Zodi, le Stylix et Spatial, le Palkia hier. Et nous avions fait la quatrième arène. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à Port-Yonov pour faire la cinquième. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de captures. Peut-être qu'on en offrira une, hein, si l'occasion se présente, évidemment. Mais... Alors, on va refaire un petit tour vite fait de notre équipe. Donc, Zodi, niveau 29, l'âge de nature, évidemment. Avec la capacité téméraire, qui fait que si j'arrive à lui apprendre bélier ou quelque chose comme ça, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Hop, Spatial, niveau 30. On va essayer de pas trop utiliser Spatial quand même, hein, évidemment, mais... Mais je ne garantis pas ça, hein, parce que... Bah, Palkia, comme je disais hier, c'est un Pokémon que j'ai jamais utilisé dans mes équipes. Et que je suis assez content de pouvoir le faire là. Donc c'est vrai que là... hop, je vais juste... changer. Voilà, très très bien. Oui, j'ai pas l'habitude d'utiliser Palkia dans mes équipes, donc pour une fois que j'en ai un comme ça à disposition, j'ai quand même un peu envie de l'utiliser. Hop, voilà. Alors, on reprend. Je ne me rappelle plus ce qu'on devait faire, donc on va passer vite fait au marché. Hop. Alors. Le gars de la Team Plasma spécialisé dans l'encens. Ok. Fallait lui montrer un Pokémon niveau 30 ou plus. Bon. Pas trop compliqué. Hop. Il m'a vraiment donné une ceinture pro par contre. Hop. Je me rappelle plus ce qu'elle fait cette ceinture pro, mais. Objet à tenir, ceinture usée, augmentant légèrement la puissance des capacités super efficaces. Ok. Bon. Hop. Alors, blessant le porteur chaque tour, peut s'accrocher aux ennemis qui attaquent le porteur. Ouais, bah non. Cuir contenant un pouvoir télékinésique qui montre les capacités de psy. Charbon, c'est bien, mais j'ai pas de Pokémon comme ça. J'ai pas de Pokémon qu'on attaque feu, charbon, pour mettre le charbon, malheureusement. Hop. Alors. Là, on va être bon. Hop, faut que je revérifie encore une chose, forcément. Ça ne se passe jamais correctement du premier coup. Hop. Tac. Et voilà. Là, on devrait être mieux. C'est parfait. Hop. Alors, ouais, ça c'est la médecine. Il n'y a pas quelqu'un qui vend des CT? Non, là c'est les meumeux. Putain, mais j'étais persuadé que quelqu'un vendait des CT ici. Bah, ça m'embête un peu. Est-ce que j'en avais besoin des CT? Hop. Oh, psycho. Ce serait parfait si j'avais un Pokémon de type psy. Hop. Allez, on va faire un petit combat rotatif.
Hop. Ah, il a une équipe imposante, on va dire. Hop. Alors, moi, ils sont évidemment tous shiny. Tac. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer et faire Megacorn. Ah, ok, bon. Évidemment, lui n'a pas changé. Alors, faire un petit giga sangsue. Hop. Là, ça c'est bon. Hop, faut que je ferme quelques onglets, je m'excuse. Hop. Voilà. C'est mieux. Hop, et voilà. Alors, on va refaire un petit giga sangsue. Ça nous fait surpuissance. Ça me semble assez simple à tenir. Même si ça fait mal quand même, hein, faut. Putain, mais moi ça lui fait zéro dégâts. Hein. Hop. Ok, QRM ultrason. On a connu plus dangereux. Hop. Forcément. Hop. Alors, on va envoyer Slim. Tac. Rayon signal, ça devrait pas poser trop de problèmes. Hop. Psycho devrait faire des dégâts à tout le monde. Ok, ça ne lui fait pas du tout de dégâts. Hop. Pas exceptionnel, hein. Hop. Ben on va rechanger de Pokémon. On va y arriver. Faut avoir confiance. Hop. Alors. Là. Tac. Hop. Hop. Voilà. Alors, on devrait plus trop être embêté là. Hop. Non, ça veut pas je. Non. Bon. Port. Aïe, aïe, aïe. Bah on va essayer de se réveiller, hein. De toute façon, pas trop le choix. Oh, parfait ça. Hop. Ultrason, forcément. Comment vas-tu depuis les cinq dernières minutes de bain? Hop. Oh la vache, malgré. T'as perdu? Oh merde. Ah bah 4 ADC, hein, ça fait beaucoup. Hein. Ah puis t'as pas dû beaucoup t'amuser quand même avec Lux et 7 ADC là. Et 4 ADC, 7 ADC. Hop. Picor. Allez, réveille-toi, Skytre, s'il te plaît, mon grand. C'est le moment. Putain.
Ça va? Bon, bah tant mieux alors. Allez, allez, on se réveille. T'as foncé dans le tas, ouais, bon. En même temps, t'as pas grand chose d'autre à faire avec cette, hein. Hop. Bon, il va réussir à attaquer ou pas, là, au bout d'un moment? Putain, mais je me réveille, il y a la confusion, non mais... Tu vas faire quoi? Tu m'empoisonnes? Oh non, il me met KO, carrément. Putain. Quel team cancer il a? C'est incroyable. Hop. Alors, on va changer... Non, pas dans ce sens-là. On va mettre Palkia et faire Draco Souffle. C'est bon, au bout d'un moment. Quand même. Voilà. Hop. Je sais que j'ai dit que je l'utiliserai pas trop, Palkia, mais il y a des limites. Je suis tombé sur... T'es tombé sur Lux? Ça va, Lux, en Aram, c'est jouable. Vroom vroom. Hop. Là, un petit Draco Souffle. Et on devrait être bon. Ah ouais, Palkia, il est trop beau en Shiny. Il est tout rose. Il est rose. Hop. Voilà, bon. Fallait juste utiliser... Ah, du coup, Cassio, le roi du sel est avec toi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire, là, déjà? Il me semblait qu'il y avait le Pokéwood, mais on l'a déjà fait dans, au début de cette version. Détestable, d'ailleurs, le Pokéwood, hein. C'est vraiment chiant. Ouais. Ah, je crois qu'on doit aller visiter des hangars. Oh, mais il y a un autre truc que le Pokéwood aussi. Il y a un truc de combat, là. Oh, c'est chiant. Hop. Sage Carmine, le dresseur est venu. Par ici, par ici. Non, je veux pas en savoir plus sur la Team Plasma. Hein. Les visiteurs sont si rares, je m'excuse par avance, mais avant de laisser rentrer, je dois vérifier à quelle catégorie de dresseurs nous avons affaire. Eh bah allez, à l'attaque. Il va avoir un vieux Pokémon de merde, j'espère. Il a Steelix quand même. Non, Steelix, non. Non, c'est pas un vieux Pokémon de merde. Tu vois, Zoddy? Avec un peu de chance, c'est à ça que tu ressembleras bientôt. Et ben, on va changer de Pokémon, hein, parce qu'on a rien pour le toucher. Et on va envoyer Shadow. Hop. Normalement, coup croix, ça devrait faire quelques dégâts. Hop. Appel attaque, ok, bon. Hop. Voilà, bon. Quoi? Ok, bon, bah j'ai pas fait de dégâts. Hop, bon, on arrive quand même à le battre, mais... Pas terrible, ce Pokémon, malheureusement. Hein. Hop. Zoddy qui passe niveau 30. Et Manternelle, alors, on va... Oh, bon, on va faire la même technique que contre la reine, là. On va faire Requiem avec Spatial. Et on va envoyer... On va envoyer Zoddy pour le faire XP. Hop. Ça devrait pas faire mal. Hop, un petit Draco Souffle. Oh là là, mais Sérénité, c'est tellement bien. Hop.
Ok, son clone qui a pas servi à grand chose du coup. Et là, on switch et on va sur Zodi. Hop. Alors là. Et normalement, Zodi devrait être le gagnant. Voilà. Parfait. Tac. Et voilà. Très très bien. Ça n'a pas été trop dur. Je vous présente mes plus humbles excuses. Les ex-membres de Team Plasma sont diversement représentés. Il s'est enfui. Vous êtes un ami? En ce cas, point de manière. C'est le Zorua de N. Laissez-moi me présenter deux rechefs. Je me nomme Carmine. Vous aussi, vous êtes de la Team Plasma, et c'est quoi alors? La différence avec les sales types de tout à l'heure. Pour être exact, nous sommes l'ex-Team Plasma. Pour expier si telle chose est possible, nos crimes commis il y a 2 ans. Nous prenons grand soin des Pokémon séparés de leurs dresseurs. Et vous êtes? Moi, c'est Bappy. Bappy de Pavonnet. Retenez bien, je suis un dresseur sans pitié parce qu'il y a 5 ans, ma frangine s'est fait voler son Pokémon. Elle a été séparée de lui, comme vous dites. Par vous, la Team Plasma. Je te prie de m'excuser. Et je dois me contenter de ça? Juste des pauvres excuses? Et le Pokémon de ma frangine, alors? Il est où, le Chakripan? Ouh! Quel macaque! Je dois avouer qu'il n'est pas ici. Je crains que la Team Plasma ne soit en train de l'exploiter, hélas. Et comme tu t'exprimes de manière fort explicite, mes excuses ne résoudront rien. Mais il n'est possible d'avancer qu'en reconnaissant clairement ses torts et en demandant le pardon. Ça suffit, vos salades. Qu'est-ce que ça peut me faire, vos excuses, s'il n'est pas là, le Chakripan? C'est vraiment un déchet, ce gars. C'est incroyable. Capi, je me casse d'ici, je vais à l'arène. Et je veux devenir plus fort, comme ça, je pourrai tous leur démonter la tête à ces sales types de la Team Plasma. Ah, dis donc. La Team Plasma, c'est à cause d'eux que des jeunes comme lui. Je regrette tellement. Si vous saviez, j'ai honte. Capi, comme tu peux le constater, je ne peux hélas rien t'offrir. Au contraire, j'ai une requête à te formuler. Pourrais-tu prendre soin de ce Zorua? Eh bien, je ne vais pas venir le chercher. En temps normal, ce Zorua aurait fait partie de mon équipe, hein, qu'on soit clair. Même si le Pokémon n'est pas ouf. Mais là, non, je ne vais pas le prendre. Hop. Tac. Ok, bon, ils ont rien à me donner. Donc, je me casse. Hop, cherche objet. Il n'y a rien de spécial. Ah! Oh, le Vokit. Allô, j'aimerais parler à Capi, s'il vous plaît. Ah, c'est donc ça, votre hobby. Ça a l'air tellement intéressant, je devrais peut-être m'y mettre. Oh, je dois retourner au travail, on m'appelle, à bientôt. Bah, c'est Brenda qui m'appelle. Hop. Oh, pardon. Hop. Alors, on va voir si on peut pas avoir quelque chose par ici. Oh, Ramolos. Ça aurait pu être marrant, mais on va éviter quand même. Hop. Ciel gris. On va faire un petit poudre toxique. On va essayer de le mettre KO avec Zodi, malgré qu'il n'ait pas des très bonnes attaques. Ça devrait être faisable. Hop. Tac. Ah! Alors attendez. J'ai un petit problème. J'ai eu ma présentation... pour le mémoire aujourd'hui, et du coup mon ordi n'est pas rebranché, il faut que je le rebranche, à tout de suite.
Hop, me revoilà. Hop. Alors, c'est bon. C'est tout bon. Hop. On va pouvoir reprendre calmement. Hop. Alors, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette attaque, mais je l'ai faite. Éclair-croix. Très bien, un petit ramolo, ça. Oh, séduction, c'est magnifique, ça, cette attaque. Hop, on va retirer ça. Et on va faire une petite poursuite. Comme ça, on aura vu toutes les attaques. Hop. 280, bon. Pas terrible. Alors. Là. Hop. Tin, 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 tin. Mélo. Ça me fait un peu peur, Mélo, parce que c'est souvent ces Pokémon qu'on sous-estime qui nous déglinguent. Hop. On va changer. Et espérer que ce soit pas un Mélo qui nous déglingue, justement. Hop. Hop. On va faire un petit psycho. Là, voilà. J'ai pas vu son attaque. C'est Flash? Ouais, ça doit être Flash. Hop. On va refaire ça. Et voilà. Hop. Pour Grodrive, on va changer. On remet Onyx. Enfin, Zodi, du coup. Tac. Et on devrait pouvoir le faire passer niveau 31. On va voir les dégâts avec poursuite. On ne le fera pas passer niveau 31 à moins de le one-shot, ce qui ne va pas être le cas. Hop. On va changer de Pokémon du coup. Voilà. Hop. Et voilà. Bon. Hop. Bulle de boule. C'est juste parce que j'ai envie de voir l'attaque. Ah. Je pense que même pour voir l'attaque, j'aurais pas dû faire ça. Hop. Ça aurait été... Oh, lumière-éclat. Ça aurait été évidemment plus opti de prendre Palkia, mais... Mais non. Parce que, comme je l'ai dit, je vais essayer de l'utiliser le moins possible quand même. Tout en me faisant plaisir avec lui, hein. Ça veut dire que... Oula. Hop. Ça veut dire que je vais pas m'empêcher non plus absolument de l'utiliser, sinon il serait pas dans l'équipe. Mais... Et que si je veux l'utiliser un moment, je l'utilise, mais... Oh, Mitra point, mais non. Pourquoi t'apprends que des attaques de merde, mon grand? Ça, c'est une attaque Draco Météor, bon. Hop, on va la prendre à la place d'écrasement, mais c'est pas une super attaque pour un Onyx, hein, qu'on soit clair. Hop, j'ai adoré m'entraîner avec toi. Je suis dans le noir complet. Hop. Alors... Donc ouais, Zodi passe niveau 31. On n'est pas trop trop mal en vrai. Hein. Là que je réfléchisse, mais ça va. Franchement. Hop. Alors, vendre. Hop. Alors oui, c'est pas lui qui peut y acheter ça. Ça non plus.
Ok, ça c'est clairement pas lui qu'il faut que j'y vende. Bah, j'ai rien à vendre ou quoi? Ah ouais, j'ai rien à vendre. Bon, tant pis. Hop, et on peut lui acheter quoi à lui déjà? Ah oui, c'est des balles particulières, des lettres. D'accord. Très bien. Hop. On va retourner là-haut, s'entraîner un peu. On va pas faire trop de séances d'entraînement, mais il faut qu'on en fasse de temps en temps quand même. Un légendaire. Créer Fadé. On va le mettre KO, hein. Hop. Tac. Peigné. Eh ben dis donc. Ah, heureusement que Onyx a une défense en acier. Hop. Ok, avec le coup critique, je lui ai mis que ça. On va faire poudre toxique. Ce sera mieux. Voilà. Hop. Ouh, Phytomixer, ça aurait pu nous mettre très mal, ça. Hop. Bon, il se tue tout seul, normalement. Ah, pas du tout. Oh, elle est assez jolie, l'attaque Dracométéor. Hein. Elle est assez jolie. Hop, et on a pas mal de points d'XP. Hop, petit combat. Oh, il y a des golets aussi normalement. Est-ce qu'ils ont été randomisés ou pas les golets? Hop. Alors, Malos. Malos, j'ai bien peur de pas pouvoir le battre, hein. En 1v1. Enfin, avec Zoddy. Hop. Shadow, il a pas vraiment d'attaque. On va envoyer Skytre. Point d'art, ok. J'ai bien fait de switch. Oh, hop. Ah, voilà, ça c'est efficace. Hop. Electek, on va envoyer Slime. Tac. Ah! Le S de Sardoche. Le roi du sel était avec toi. Hein. Hop! Face à Electek. Parfait. On l'a explosé. Hop! Et ben voilà, c'est très bien. Très bien. Hop. Un Ostrare, ok. Et c'est censé être un golet. Est-ce que ça va être un autre Pokémon ou pas? Ah non, ou un Trompignon, ouais, bon bah non. Ça m'énerve, ça a pas randomisé ce que je voulais que ça randomise. Pourtant, j'avais coché les Pokémon sauvages, mais. Enfin, les Pokémon fixes. Va vraiment falloir que je re-randomise la run, ça me fait chier. Hop. Dynamo point, ça fait mal. Hop. Vitesse extrême sur un champignon, quoi. Hop là. Bon. Ça découpe. Ça doit vouloir dire qu'il y a des sauces aux trompignons et tout dans les restos. Pleopardus. Ouais, niveau 23, on va pas battre les Pokémon sauvages, hein, clairement. Ça ne nous apportera rien. Hop. La fuite.
Là. Alors. Ici, ils étudient les Vivaldins. Hein. C'est vrai qu'on nous offre pas mal de Pokémon ici. Hein. Hop. Tac. Ouais, elle veut peut-être que je lui montre un Morpheo, elle. Ok, bon, on s'en fout un peu de cette zone. Hein. Vérifier si... Hein, c'est ça, la science, ouais. Ouais, la science, c'est vérifier les idées. En effet. Hop. En effet, Karchakrok, c'est très bien. J'aimerais bien en avoir un aussi, mais c'est pas le cas. Hop. Alors... Ok, il utilise un attaque plus, ça peut être dangereux. Ok, coup de crâne, c'est en deux temps cette attaque, ça va. Hop, dégâts x4, laser glace, ça suffit. Parfait. Et du coup, Skytre qui passe niveau 34. Et Zodi niveau 32. Parfait. C'est parfait. Hop. Un bandeau pouvoir. Hop. Alors. Mon but, c'est d'élucider les mécanismes qui régissent la relation entre le dresseur et les Pokémon. Ta vie doit quand même être vachement chiante, hein. Sorboboule! Hop. Putain, c'est bête, une attaque roche aurait pu être sympa là. Hop. Oh merde. J'ai été trap. Bon. Ok, elle met un spécial plus. On lui met la poudre toxique. On va se soigner. Hop, une super potion. Ça devrait... Déjà... J'ai pas pensé à sauvegarder, bordel de merde. Fais chier! Fais chier! Au bout de 30 minutes, ça plante maintenant! Enfin, 45 minutes, techniquement, il est allumé depuis 45 minutes, mais. Oh, bordel! Attendez, je vais tester un truc. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Hop. Bon. C'est un peu la merde, je vais devoir m'arrêter là parce que j'aurai pas le temps de reprendre en plus. Je voulais faire 1 heure de live, bah j'aurais pas le temps. Donc je vais devoir m'arrêter là, je m'excuse pour ces problèmes. Et puis on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain pour compléter ça. Ça m'embête beaucoup. Demain, on va peut-être commencer le live plus tôt, du coup, on verra bien. Je vous souhaite une bonne soirée et puis ciao!